J'aimerais donc vous proposer un programme sur 2-3 mois pour vous permettre justement de mincir dans le respect de votre corps, de mincir naturellement. Naturellement, ça veut dire sortir des régimes, de la privation de votre corps, dans le fait de forcer votre corps à maigrir pour récupérer après, de sortir de cet engrenage en fait. Donc j'ai fait une vidéo dessus pour vous dire ce que je vais proposer. La question c'est pourquoi j'ai envie de proposer un tel programme. C'est tout simplement parce que moi j'adore créer des process et j'adore aussi me modéliser dans ce que j'ai réussi dans ma vie et de ce que je trouve bon pour moi. Et il se trouve que moi quand je suis arrivée en France, quand j'avais 19 ans, j'ai pris 20 kilos d'un coup, 18 à 20 kilos. Ça veut dire que je pesais 70 kilos en arrivant ici, de par un changement alimentaire, le stress généré par le déménagement, venir dans un pays qu'on ne connaît pas, ça n'a pas été facile pour moi du tout. 20 kilos. Quand j'ai eu ces 20 kilos-là, je me suis dit, waouh, je me suis mise au sport parce que j'avais envie de maigrir. J'ai découvert le régime alors que je ne savais pas ce que c'est, la restriction alimentaire. Et en fait, malgré tous les efforts, ça a été dur pour moi parce que je suis une bonne élève, je me donne, je suis perfectionniste. J'ai perdu 1 kilo. 1 kilo malgré tous les efforts que j'ai faits. Et je me suis dit, waouh, je crois que je ne vais pas m'en sortir. Mon corps ne voulait pas maigrir. Il y a vraiment quelque chose en moi qui faisait de la résistance malgré les efforts que j'y mettais. Et je me suis dit, mais je vais crever la dalle, c'est pas possible. Pour maigrir, il va falloir que je crève la dalle. Et ça, ce n'était pas concevable non plus. Et donc, c'est assez incroyable parce qu'à partir de là, je me suis dit, ok, ben je vais accepter mon corps tel qu'il est parce que je crois que je ne vais pas y arriver. Et tout naturellement, j'ai maigri, sans rien faire, en mangeant ce que j'aime, autant que j'aime, quand je veux. Et j'ai été assez surprise de me dire, qu'est-ce qui fait que mon corps a retrouvé son poids d'équilibre, naturellement, sans que je fasse quoi que ce soit. Et les gens de mon entourage vont vous dire que je suis quelqu'un qui mange beaucoup, je suis très gourmande. Et en fait, il y a des gens qui me disent, oui, manger des chips, bon, c'est gras. Eh bien, moi, j'adore les chips à 17h. J'ai un pic de chips à 17h. Eh bien, je mange mes chips à 17h. J'adore la charcuterie, les saucissons, j'adore les fritures aussi. Voilà, donc je ne me prive absolument de rien. Et je mange en quantité aussi pour le gabarit que j'ai. Et malgré tout, je prends pas des kilos. Ça veut dire que je sens que même si parfois je prends un tout petit peu, mon corps régule de façon à ce que je retrouve un poids d'équilibre, un poids de base. Alors je me suis questionnée de qu'est-ce qui fait que sans effort, j'arrive à maigrir, enfin sans effort, j'ai un poids qui se maintient. C'est-à-dire que je porte toujours les mêmes jeans que j'avais il y a 12 ans. Tous les fringues que je porte sont exactement ce que je portais il y a 12 ans. Rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Je ne fais pas excessivement de sport. Il y a des moments où je fais du sport, il y a des moments où je m'arrête. Ça ne change rien. Il y a des moments où à Noël, je mange beaucoup, mais mon corps participe à ce que je maigrisse naturellement, sans que je fasse quoi que ce soit, sans que je m'en préoccupe. C'est ça que j'ai envie de vous partager en fait. Donc je me suis posée pour introspecter et modéliser absolument qu'est-ce que j'ai fait pour que ça puisse être possible. Parce que si moi j'arrive à le faire, c'est que vous arrivez à le faire. Il n'y a pas de différenciation, c'est juste quelle est la clé. Et donc dans cette introspection-là, j'ai pas mal écrit. Et en fait, j'ai proposé un atelier qui était se réconcilier avec votre corps, où j'ai timidement proposé ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit, c'est quand même dingue, je ne vais pas leur dire qu'en fait, pour maigrir, il faut abandonner le fait de vouloir maigrir, il faut abandonner les régimes, il faut faire confiance en son corps. Mais ils vont dire que ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est la clé. Et pourtant, c'est la clé. Et là, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la conférence d'un monsieur qui est psychothérapeute et nutritionniste, qui s'appelle Jean-Philippe Zermati. Et là, ça a été la révélation pour moi, parce que je me suis dit, waouh, cet homme est en train de décrire exactement ce que je fais, ce que j'ai proposé dans mon atelier, avec des mots tellement justes. Et ça m'a donné vraiment l'élan de vous proposer un atelier en ayant vraiment confiance, en dire, en fait, ce que je vous propose, c'est vraiment quelque chose de pertinent, c'est quelque chose qui marche, c'est ça qu'il faut faire, ça me parle, ça résonne pour moi et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Mais là où
j'ai envie de vous faire profiter aussi de mon expertise concernant la déprogrammation parce que le surpoids est avant tout un problème émotionnel non réglé. D'accord. Donc maintenant, comment changer de stratégie pour ne pas utiliser le surpoids comme un moyen de compenser ou comme un moyen de mettre en place ce que vous n'osez pas mettre en place. Donc la question, c'est comment déprogrammer déjà ces mécanismes pour vous permettre, pour autoriser votre corps à retrouver son poids normal. Donc j'ai pris du temps vraiment pour me modéliser dans tout ce que je fais. Et en fait, c'est vraiment fou parce que tout naturellement, tout ce que je mets en place participe à ce que mon corps se régule. C'est dingue, c'est dingue. Et en fait, c'est à la fois, je me suis dit, waouh, j'ai envie de vous partager vraiment ça. Donc, si vous avez envie de cette aventure-là, moi, je serais ravie. Déjà que vous me mettez un commentaire si vous êtes partant pour ça. Je n'ai pas encore terminé d'écrire, de mettre tout ça en place. En tout cas, là, j'ai le plan de comment je vais vous accompagner. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, je vais aussi faire intervenir une coach. Voilà, pour vous permettre toutes les semaines sur Zoom d'avoir un entraînement avec elle de façon à ce qu'elle participe aussi au fait de vous reconnecter à votre corps, de vous sentir bien dans votre corps et de vous sentir accompagnée aussi. Voilà, vous proposer, je suis même allée loin, je me suis dit, ouais, parce que j'étais dans l'hôtellerie-restauration avant, mes parents avaient un restaurant à Madagascar, je suis quelqu'un qui adore cuisiner, je me suis dit, en fait, dans ce programme, j'aimerais vous proposer des recettes de cuisine asiatique, des îles, pour retrouver vraiment ce plaisir de manger, parce que parfois, les gens mangent n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas cuisiner. Donc, il y a vraiment ce retour au plaisir gustatif. Et moi, j'aurais vraiment plaisir de vous partager des recettes simples qu'on peut faire chez soi, dans lesquelles ben, vous allez pouvoir retrouver et le goût de manger et la convivialité aussi, de manger, de partager des repas avec les gens sans culpabiliser. Voilà. Donc voilà. Et aussi de vous proposer tous les produits que je pense être bons. Bon, en fait, ça, c'est au niveau du détox. Voilà. Mais ça, il faudra encore que je peaufine ça de manière un peu plus claire. Mais déjà là, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous serez partant pour cette aventure? Est-ce que ça vous parle d'être accompagné sur 2, 3 mois sur le thème de mincir? Dans le respect de votre corps, mincir naturellement. Donc, ça va vous amener à aussi retrouver un rapport sain avec la nourriture, l'alimentation, et de refaire confiance en votre corps qui, lui, sait parfaitement vous réguler votre système, en fait, réguler votre poids. Alors, si vous avez envie de retrouver ce poids d'équilibre qui est le vôtre, sans mettre votre corps dans la maltraitance, moi je serais vraiment ravie de partager ce programme avec vous. Je pense que il y a une chose qui est claire, c'est certainement que je ne prendrai peut-être que 6 à 8 personnes, pas plus, parce que c'est un premier lancement pour moi. Donc je pense que j'aurais vraiment envie d'être là au plus près de vous. Mais déjà, j'ai envie de voir comment vous accueillez ce programme. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en avez envie? Laissez-moi dans les commentaires, je serais ravie de vous. Voilà, d'avoir vos retours. Je vous dis à très vite. Au revoir.